En juillet, la société Sebelmash se préparait activement à recevoir une commission d'experts et à obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction. Le bâtiment et le terrain du centre d'ingénierie ont acquis une apparence presque achevée. Le 2 juillet a été marqué par un événement important. Les 4 transformateurs de puissance ont été connectés à des réseaux de 10 kV en circuit ouvert. Après un fonctionnement en mode test, le BTUI sera connecté à l'alimentation électrique selon le schéma de conception. Toujours en juillet, une autre étape importante a été franchie. Après environ 6 mois de travaux, le soudage du système de refroidissement a été terminé. Les tuyaux ont été testés sous pression et vérifiés pour éviter toute fuite, et des documents ont été signés sur le passage réussi des inspections. L'étape suivante consiste à rincer ce système et à le remplir avec une solution d'éthylène glycol. La finition intérieure et les derniers travaux sur les systèmes de viabilisation au deuxième étage du bâtiment de production ont été effectués. Aux autres étages, ces travaux ont déjà été achevés. L'installation de meubles et l'aménagement des bureaux aux étages supérieurs se sont poursuivis. Les travaux de nettoyage et de dépoussiérage ont été effectués dans tous les locaux. Pour ce faire, plusieurs autres équipements pour le nettoyage ont été achetés. Un nouveau matériel a été réceptionné, il s'agit notamment d'une fraiseuse à commande numérique. La pose de l'asphalte a été achevée sur tout le pourtour du BTUI Sebelmash. L'installation de l'écran anti-bruit est enfin terminée. Les entrées pour les véhicules et les piétons ont été aménagées. Les travaux de terrassement ont commencé pour effectuer le deuxième point de connexion d'eau. En juillet, la société Sebelmash a reçu les prescriptions techniques pour la connexion au système automatisé d'alerte centralisé de Moscou en cas d'urgence. Le respect de ces prescriptions est important pour l'obtention de la fameuse conclusion. À noter que le système d'alerte a déjà été installé et fonctionne dans le BTUI. Il reste à l'intégrer au système centralisé. En plus de la construction, Sebelmash s'efforce de mettre en service l'entreprise le plus rapidement possible. À cet égard, en juillet, la société a annoncé l'embauche de nouveaux spécialistes. C'est une nouvelle étape dans le développement du projet. Tout d'abord, le BTUI recherche des ingénieurs de conception et des opérateurs pour différents types de machines, ainsi que des spécialistes de l'entretien du centre froid, des électriciens qualifiés et d'autres spécialistes. La société est prête à travailler avec de jeunes professionnels et à leur enseigner les compétences nécessaires. Pour toutes les questions d'embauche, contactez Sebelmash à info@sebelmash.ru. En juillet, la préparation au Forum international Armée 2024 était en cours. L'assemblage et les tests du matériel qui sera présenté à l'exposition, y compris le drone Motelok, se sont poursuivis activement. Les tests du moteur de cet aéronef étaient en cours, les modes de fonctionnement ont été sélectionnés, les angles d'attaque des hélices ont été définis. Une fois que la conclusion sur l'achèvement de la construction sera obtenue, le projet passera à l'étape finale de financement. Le directeur général de Solar Group, Sergei Simonov, a annoncé lors du webinaire de rapport de juillet les opportunités qui s'achèveront avec la fin de la 19e étape en cours. La valeur de la part d'investissement augmentera beaucoup plus qu'elle ne l'était auparavant lors des précédents changements d'étape. Probablement, elle va augmenter de 30 à 40%. Les packs d'investissement payables sur 20, 25 et 30 mois ne seront plus disponibles à l'achat. La possibilité de restituer tout pack annulé sera supprimée. Lors de ce webinaire de rapport, les dirigeants de Solar Group ont également résumé les résultats des 6 premiers mois 2024, partagé les statistiques du développement du projet, discuté du sujet de l'obtention des actions, de la bourse interne, de l'organisation de la conférence 2024 et ont également répondu aux questions des investisseurs. L'enregistrement de la diffusion est visible sur le lien dans la description. Nous vous rappelons que jusqu'au 31 août inclus dans le projet, vous pouvez obtenir une réduction de 5% pour un remboursement anticipé pour un paiement minimum de 100 $. Effectuez plusieurs paiements à la fois car cela vous permettra d'investir avec plus d'avantages et d'accélérer le financement du projet. Il existe d'autres offres pour différentes catégories d'investisseurs. Vous pouvez trouver tous les détails dans la section promotion de votre back-office ou par le QR code que vous voyez sur vos écrans. Utilisez-les.